Ok, nous avons ici l'apprenti hein, qui est avec nous. Et nous avons Hugo là-bas, notre petit frère, qui lui ne va pas genre super bien et on s'était arrêté ici. On va continuer, on va aller voir Hugo qui lui est en train de jouer tranquillement au bord de l'eau. C'est vraiment un moment... Un peu, si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins il se réchauffe. Ouais, mais... Là, il s'éloigne trop. Quand on a les pouvoirs de Satan, alors évidemment que ça réchauffe, hein. Évidemment. On ne peut pas teabag des champignons. Regardez, hop là. Ah, il va trop loin, nom de Dieu! Où est-ce que tu vas? Hugo! Et je ne peux pas me baisser. Ah si. Ça va. Hugo, mais qu'est-ce que t'es... Hugo? On profite pendant que j'ai le dos tourné pour invoquer Satan une nouvelle fois? Bah alors Hugo? Pas attention hein. Ok. Très bien. Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Non. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, je vais par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Le script qui se lance alors que moi je trouve des cailloux. Tu sens cette odeur? Ah, oui, ça sent mauvais. Oui, c'est horrible. Très bien. C'était donc ça, le bouclier anglais. Attention, Hugo, les boucliers mordent. Non, les anglais mordent, voilà, c'est ça. C'est très beau. Hein. C'est très très beau. On va remonter un peu le courant là. Avec la musique commence à s'installer et qui commence à instaurer vraiment un climat assez oppressant. Oh. Un slip. Je n'avais rien. Votre tissu a une forme de slip. Mais t'es pas en permanence à la recherche de ça. Elles sont si jolies. C'est merci quoi, toi aussi. Ça, déjà des glaïeuls. Ah oui, voilà. Elles te plaisent pas? C'est pas un bon signe. Hugo, ce sont des fleurs. Oui. Glaïeul, ça fait penser à la marque de couteau papillon. Oh, je ne voudrais savoir. C'est bizarre. Chour. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent vraiment mauvais. Ça sent mauvais. Fils de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Bravo. Génial. On dit que ça sent le cadavre. Oh mon Dieu. Ils sont tous morts. On ne peut pas continuer. Amicia, il faut qu'on suive l'aqueduc. Waouh. Ok. Amicia, on va leur marcher dessus. Je sais, Hugo, mais... C'est un peu comme s'ils étaient des gentlemen. Regarde, entraîne-toi avec lui, Hugo. Tu vois? Tu vois, c'est pas si difficile que ça de marcher sur des cadavres. Ah, mais c'est horrible, mon gars! Même au niveau du... On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. On pourrait avoir un sondage dans le chat pour savoir s'ils ont mal ou pas. Non, mais même au niveau du game design, tu patauges. À tous les coups, il y en a un qui va être en train d'agoniser. C'est sûr. C'est sûr.
Un qui doit faire... Moi, si j'avais été à la place des devs, je sais pas, j'aurais fait un... Attendez ici. D'accord. Je sais pas, un gars qui est là en mode... Oh, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal. Non, Amicia, j'ai peur. Tout va bien, Hugo. Pardon, j'ai eu peur. Ok. Ok. T'as peur ou t'as peur, t'as peur. Tu me laisses pas tout seul, Amicia. Je suis là, tout va bien. Ça faisait peur. Je veux plus avoir peur. Écoute, je te propose. Ça m'a l'air bon vu d'ici. Oui. De venir ici. Si ça peut te rassurer. Regarde, t'auras moins peur. Je reviens vite. En attendant au milieu des cadavres. J'attends. Tu trouves pas que c'est vachement plus rassurant? Avec tes pieds à travers. C'est insupportable. Je me sens pas bien. Ne regarde pas. Concentre-toi sur l'aqueduc. Mais tu es une horrible personne, me dit-on dans le chat. Tu viens d'arriver dans le, sur le live? Très important, hein. D'apprendre. Amicia, s'il te plaît, ça va aller. T'es pour moi. Je m'inquiétais. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bien. C'est bon. Me voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant 2 secondes? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, avec la musique qui s'énerve, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de dire au violoniste, allez mon gars! C'est quoi? C'est un loot ça, non? Ok, non. Là, ils ont tous des... Alors, je vais dire un truc très chelou, hein. Est-ce qu'on peut d'abord vérifier que Mireille Dumas n'est pas dans le chat, s'il vous plaît, pendant qu'on tourne cet épisode? Eh bien, ce genre de séquence donne envie de faire du jeu de rôle. De ouf. Mais oui, mais qui a allumé les torches? Bah peut-être eux, mais avant qu'ils meurent. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont morts il n'y a pas méga méga longtemps, en fait. Mais du coup, s'ils sont morts et pas autant décomposés, c'est pas des rats qui ont tué. Parce qu'ils... Parce que regardez, il par exemple, il a encore toutes ses phalanges. C'est ok. C'est ok. Oh, qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Lucas? Je sais pas. J'ai cru de loin que c'était une tente qui faisait flablabla flablabla flablabla. Monsieur le cheval, c'était pas comme ça que nous faisons du breakdance. Oh. Mais t'approches pas, jeune alchimiste. Je crois que ce cheval a faim. Il gargouille. Reste ici. D'accord. Oh non, les rats. Vous approchez pas. Il y en a partout, Amicia, partout, partout. Mais c'est pas vrai. Partout, partout. Ok. Il faut que je trouve un. De quoi. Ok, est-ce qu'on a un morceau de bois? Bon, allez, on n'a pas de bois, il va falloir qu'on utilise le lancer de boule de feu. Eh bien, à l'ancienne. Et on va en fabriquer, hein, du coup. Allez, reculez, créature de Satan. Ok. Bien, est-ce que ça se referme derrière? Non, hein. Très bien. Attends, mais ça s'éteint, ça s'éteint. Mais ok. Très bien, ça se. Ok, ça se. Très bien. Il y a des gens là-bas. Ils ne sont pas des soldats. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Non, moi, mais si on pourquoi dit pas. Pour survivre, sans doute. Comme nous. Ok, là c'est ok. Est-ce qu'on a un fétu là?
Et moi, je pensais que ça allait rester, tu sais quoi? Je pensais vraiment que ça allait être ok. Mais va pas te mettre au milieu des rats! Fais pas ça! À force de mater le sol en train de me dire, ouais, regarde par terre, regarde. Je suis tellement pris au milieu des rats, tellement en mode. Que du coup, je remarque pas le truc. Hein. C'est l'effet de panique, hein. C'est que vraiment tu es pris dans le truc. Hein. Faut avoir sacrifié la chimiste. Hein. Un coup de main? Ouais. Pas de problème. Je l'ai dit depuis le début. Puis, le combustible d'alchimiste était pas mal. Hein. Non, c'est pas passé. Hugo, il va falloir que. Voilà, c'est bon. Tu peux y aller. Oui, oui. Oh, fais attention. Attends. Tu veux bien y aller? Non, je peux pas. Pourquoi tu dis ça? Ce ne sont que des. Oh, faut cramer le bout, je pense. Et ensuite. Descendre. Voilà. Allez. Aide-moi avec ça, tu veux? D'accord. Et lui dire d'y aller après. Ah ben voilà. Tu peux t'en charger? D'accord. Avant, t'avais pas envie, hein? C'est bon, j'ai réussi. Viens, reviens, allez. Ne meurs pas, petit bonhomme. Voilà. C'est éteint? Ouais, ça c'est éteint. Oh, mes bras, ils sont tétanisés. Oui, mais tu es vivant. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle, là. Bien joué, tous les deux. Yes. Enfin, bien joué, bien joué. Faut qu'on aille en face, c'est ça, hein? Ça va super, giga, méga bien se passer. C'est déjà en train de bien se passer. Dans les herbes, vite! Il faut pas qu'il nous voit. Amicia, sa lanterne. Ouais, j'ai compris. Il arrive. Caillou. C'était quoi? Oh mon dieu, c'est horrible. Mais ça a marché. Ouais. Est-ce qu'on a un petit espace? Je peux passer par le côté. Ouais. Non. On va pas prendre le risque quand même, ce sont que des cailloux. Voilà. Gluant mais appétissant. Oh là, c'est terrible. C'est terrible. Regardez, mais comment tu finis comme ça? On est coincé. Comment tu finis comme ça, je veux dire? Genre tu glisses, tu fais, enfin comment? Comment? Je vois que ça comme solution. Hein. J'ai shooté la tête d'ampoule, expression de dans l'édition, ce qu'on appelle faire des têtes d'ampoule, c'est faire des portraits de personnages. Et du coup, c'est un peu voilà. Ok. Pas monter avec ça. Hein.
Crafto. Ah voilà, le fameux craft. El famoso Crafto. Ça va me simplifier la vie. On va jusque là. On allume ça. On prend notre caddie. Le fameux chariot fire. Et go. Très bien. Pourquoi tu avances pas plus vite? Comme ça on loot. Hey, y a pas moins de quoi looter là. Oh, un soldat. Ok. Soldat, on craint rien avec le soldat, à moins qu'il nous javelote. Est-ce que ça marche si on lance un vase au milieu des rats et qu'il cherche le vase, mais qu'il se fait dévorer entre temps? Est-ce que l'idée elle est pas exceptionnelle? J'ai l'impression que si quand même. Habile. Va pousser. Je vous aide. Attention, ne te brûle. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. C'est faux. C'est totalement faux. Voilà. On n'est pas parti. Ok. Viens m'aider. J'arrive. On va aller par la droite ici pour retourner pour looter. Voilà. J'ai l'impression d'être un mon charge. C'était quoi? Mais vous allez faire quoi? Mais qui vous allez faire? Bah viens. Non, mais vous avez une torche. Oh, je me suis fait javeloter. J'étais sûr que j'allais pas me faire javeloter. Il m'a totalement javeloté. Oh. Ok. Bon, on va looter avant de se faire javeloter. Vas-y, monte. Bien. Ah là, la poutre qui m'a lancé et le petit bruit de crêpe là. Sleep. Par où on va passer? Vase. Ils sont partout. Les slips ou les vases? Je peux pas le comprendre. C'est ok. On va avec quoi? Je passe devant. Pas de problème. On va comment finir comme le soldat tout à l'heure. Oh yes. Où sont les caddies? C'est quoi ça? Caillou, caillou. On peut pas me laisser partir. Ils avaient de sacrés Thermomix à l'époque. Aide-moi à pousser. Très bien. Alors, on peut pousser là sans le faire s'embourber. Hein. On le laisse là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On est ok avec ça. Faut juste pas trop avancer. Oh, c'est pas des biscuits secs. Oh. Ok. Ok, très bien. Là, faut y aller discrètement. Il faut qu'on continue à suivre l'actu, Camicia. Mais il y a des rats partout. Chut. On va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Allez, vas-y. Psst. Allez. Je veux. Alors, non, par réflexe, je voulais appuyer sur la touche 1 pour pointer du doigt. Vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre? Ah, bah voilà! Enfin. Tout ça pour ça. Et alors, tu vas en faire quoi? Bah, je sais pas, je verrai bien. C'est bon. Venez. Ne faites pas attention à ce que... Ah, je peux tout expliquer. C'est pas moi. Il est arrivé, pouf, je capique. C'est Hugo. C'est pas moi. Il avait un caillou dans la botte.
Je lui ai dit, fais attention. L'actuc, Amicia. Mais le gosse, quoi. Chut. On va trouver une solution. Hugo. Une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Tu es mauvais. Tout ça pour ça. L'important, c'est de tenir la main des enfants avant de les faire traverser. Ben, je sais pas, je verrai bien. Tenir la main, oui, mais est-ce que la main, elle, elle est obligée d'être attachée au reste du corps ? Pas un bruit. Compris. J'y vais en moonwalk. Je te regarde, Hugo. Je te regarde, Hugo. En plus, elle avait le... Tout à l'heure, elle avait le bras comme ça, elle attendait qu'il vienne. Go. Allez, crap. D'accord, pas de bruit. Ok, je peux pas récupérer la torche. Si ? Dis-moi que je peux récupérer. Non ? Laisse-moi récupérer la torche. Très bien. Caillou. Ok. Ah, si, génie. Amicia, ils ont des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Les gars, aidez-moi. Allez, rentrez, vite. À table. Ok. C'est un garde. Amicia, hein. Il peut pas sortir. Chut. Il est obligé de penser. Non, c'est pas trop tôt. Oh non. Mais, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Est-ce que la torche elle va s'éteindre? Est-ce que en restant là? Est-ce que ça les fait pas vivre un enfer? Hmm. Est-ce que le violoniste va s'épuiser avant que la torche s'épuise? Est-ce que le gars va finir par trouver une solution pour ouvrir la porte? Est-ce que je ne pourrais pas plutôt longer de dos le mur pour... Non, alors longer... Alors... Ah, on aurait pu l'aider ? Non. Oh non. J'ai envie de lancer pour voir au dernier point de contrôle. Ça va, je peux tout expliquer. C'est parce que en fait, enfin, voilà quoi. Mais bordel ! Ça vous amuse ? Alors. Je suis obligé de répondre à cette question. Hey, oh, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Est-ce que... Regarde. Vous m'avez sauvé. Oh, merci, merci. Vous ne donnerez pas l'alerte, promis? Moi? Donner l'alerte? Oh non, non, non. Je serais pendu si je savais que je vous ai laissé passer. Allez-y, moi j'ai rien vu. Bien. Je sais que je suis pas comme ça d'habitude. Hein. C'est uniquement pour l'entertainment hein, que je sauve ce garde. C'est là. J'arrive avec la torche et je le brûle.
Je voulais faire ça moi-même. Et hop. Oh non, la torche. On fera sans, Amicia. Et si je dis au garde, t'es sauvé, garde, donne-moi une torche. Ah, il va très bien. Voilà, oh là. Ok, alors ça, il y a des branches qui sont par là. Là, il y a une sauvegarde qui s'est déclenchée. Il y a un soldat. Il bloque la route. Je ne vois pas d'autre chemin. C'est pas vrai. On n'a pas le choix. Ok. Faut le prendre par surprise. Tiens, prends ça. Et psst, je suis dans ton dos. Hey, retourne. Lucas. Je suis Lucas. Oh, hey, Lucas, nom de Dieu. Je suis derrière toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses? Du somnoum. Tu vas voir, mélange-les. Du somnoum. On va l'homme sounéer. Quoi? Hein? Comme ça? Voilà. Maintenant, tu vas l'écraser sur son visage. Mais t'es fou! Lucas! Non, j'espère que tu sais ce que tu fais. Endort définitivement. Je suis désolé, quand on m'explique qu'on endort définitivement, ça s'appelle pas vraiment du somnoun. Ça s'appelle, je sais pas, du. Je l'ai pas tué, je l'ai endormi définitivement, tu sais quoi? Monsieur le juge, écoutez. Hein? Je vais d'abord looter dans son dos. Écoute, Hugo, regarde. Attendez ici, je reviens, je t'attends. Attends-moi là, je vais l'ensoumener définitivement. Est-ce qu'il y a une pâture? Attends, vraiment? Oui. Pour un moment. Merci. Ça pendant un moment. Entre. Pendant maintenant. Et l'infini. Tu vois. Oui, vraiment, tête de gars qui dort. Regardez. Il dort. Il dort bien. Franchement. Ouais, comme ça. Je veux mon fond d'écran dodo. Une autre machine. Elle a l'air un peu différente. La machine a l'air un peu différente. C'est-à-dire comme l'oncle un peu raciste qui vient en mariage auquel il n'est pas invité. On dit qu'il est un peu différent, mais quand même. Ah, attendez, on peut peut-être envoyer des... Est-ce qu'on peut, genre, envoyer... C'est une catapulte? Ok, on va voir, on va voir ce que ça. J'ai besoin que tu le fasses. D'accord. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut se faire becquer par les rats si on n'est pas sous la lune. La bonne nouvelle, c'est que... On se prend pas de la catapulte. Et ça, c'est vraiment stylé. Ok, on... On peut pas l'envoyer. Ah, on peut allumer ça, mais oui, bien sûr. J'espère qu'on va pas se faire juste gauler par le... Voilà. Par les barreaux. Oh, ok, très bien. Maintenant, on va envoyer Hugo. Hugo! Tu veux bien y aller? Ah bah.
Allez, Hugo. Allez. Vas-y, Hugo. C'est bien. Très bien. Ok, on va récupérer le bâton. Tu peux t'en charger. D'accord. Il va nous dégager le passage. On va retourner par là-bas pour utiliser le bâton qu'on va éclairer en face pour retourner sur le chemin principal. La suite n'est pas là, contrairement à ce que j'aurais pu penser. C'est le genre de choses qui arrivent parce que c'est un peu trompeur. Mais pourquoi ? Très bien. On va la refaire cette fois, mais avec ce Hugo. Lucas ! Venez, la voie est libre. Oui. Tu veux bien y aller ? Active la notification, Lucas ! Oui. C'est bon ! Parfait. Vous avez réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi, je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Et retrouver maman. Alors, est-ce que je t'ai déjà expliqué le truc ? Maman, en ce moment, elle fait plutôt barricade, tu vois. Ok, on va continuer à goûter. Et il y a des établis, évidemment, au milieu de tout ça. Pas assez de slip. Hein. Très très problématique. Ça va être temporaire, ça. C'est temporaire, il faut se dépêcher. Allez, allez, vas-y, Hugo. Oh, c'était parti. Hey, c'est pas moi. C'est... Le chariot, il est tenu par une chaîne. C'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Tenez-vous prêts, on va devoir rester dans la lumière. Bon, je suis très bon au domino. Allez, allez. On le retient pas? Non. Non, parce qu'on pourra pas, juste. Je suis pas sûr là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien, ça a marché. Non. Mais dans un sens ou dans l'autre, c'est... On va acquérir ça. Allez. Ouais, de quoi looter. Parfait. Cordonnette. Petit morceau de bois. Et on va traverser la zone. Oh. Lucas me stresse un peu, hein. Un peu. Ok. Très bien. On a... Regarde, on peut t'y bague à trois. Génial. Voilà. Ok, bah on va continuer par là, du coup. Je vais t'aider à monter. Je peux pas. Amicia, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as? Ma tête. La macula. On doit sortir de là. Hugo? Hugo! Pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit, hein. Oh là là.
regardez les charniers, quoi. Waouh. Double waouh. Okay. Ils sont vraiment nombreux. Oui, mais on n'a pas le choix. Hop là. Courage, les gars. Je sais que vous êtes fatigués. Courage. Je sais qu'on n'est pas assez nombreux. Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Non, ça, dans le chat, on me dit qu'on présente le bilan comptable. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez, la Guyenne est à nous. Oula. Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas? Mais qu'est-ce que t'es... C'était pas moi, c'était... Alors... Ok. Caillou. C'était quoi ce bruit? Hein? Hein? Ce n'est pas moi. Après, on va falloir être prudent. Hein. Parce qu'il y a un angle là ici où on peut se faire gauler. Bah notamment ici, quand il revient. Faut juste pas que je reste là. Bon, pas besoin d'inquiéter les autres. Bah non, pas besoin d'inquiéter les autres, il y a juste genre... un petit peu... Amicia, coude. Je suis très fatiguée. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Enfin... Enfin au bout. Certains sont arrivés au bout plutôt que d'autres, hein, mais c'est pas grave. Hein. Vous sortez d'où ? Vous êtes seul ? Attention ! Réponds, salopard ! Quoi ? C'est ma sœur, sale chien. Laisse-nous partir maintenant ! Laisse-nous et on reviendra plus ! C'est juré ! Tu rêves ! Chez nous, les pillards, on les exécute sans procès. Qu'est-ce qu'on fait ? Trop risqué. On continue. Ok. Hey! Maintenant! Soldat, il y a du gravier, je parle. Fichons le camp d'ici! Viens, on les suit! Là-bas! Ils s'enfuient! Ah. Oh non, mais! Go! Il va se passer un truc. Amicia! Lâchez-moi! Avec des rats. Oh. Non. C'est l'heure de la pitance. T'as de la chance, tu sais. Les pillards comme toi, on les crève sur place sans discuter. Mais moi... Moi, j'ai l'œil pour ces breloques de nobles. Heureusement pour toi, j'ai plus le goût de l'or que le goût du sang, Lady de Rune. Où est mon frère ? Hé, hey, il va bien. Mieux vous vous portez, plus gros c'est la rançon. D'ailleurs, j'y suis peut-être allé un peu fort. La rançon ? Qui l'a payée ? Tu verras bien. T'es plus chez toi, gamine, alors sois sage, c'est compris ? Sale chien ! L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère ? Pas loin. Baisse la voix, tu veux ?
Ces chiens ont pris ma fronde. T'en as pas besoin. Viens. Tu sens qu'on va devoir faire le niveau à rebours. Arthur va le faire bouger. Quoi? Comment? Il va faire diversion. Il attend notre signal. Parce qu'il y a du bras zéro si par tu vois là. Quelque chose qui pourrait nous aider. Une source de distraction. Ok. Les cruches là-bas, trop mal placées. À la charrette, très bonne idée. Tiens-toi prête. Prête à quoi? À me coller au train. Ah, ah. Alors, c'est ton frère? Un bruit. On y va. Pardon? Ok. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des vrais ninjas. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. J'aurais pourtant juré. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui feront rien. Tu comprends pas. S'il a peur, sois patient. J'arrive. Ne va pas trop vite. Non. Les rats ont décimé des villages valois. Elle est où? On rapporte des milliers de morts par morsure. Contagion. On doit se frayer un chemin. Alors, je veux bien, mais laisse-moi looter d'abord. Je récupère plein de matos. Y a pas de place pour une guerre là-dedans. Ok. Le roi Edouard doit rapatrier nos troupes. Ok. Je te colle au cucu. Le bras zéro, c'est du métal. Non, on va être bloqué. Ok, très bien. Peut-être là, hein, l'autre point ici, hein. Voilà. Le tonneau avec les lances, bien vu. Tiens-toi prête. C'est ce type. Bien joué, Arthur. On y va. Très bien, il y a Chacalou qui est en train d'agir là-haut. Pendant qu'il y a le garde qui... Fais gaffe aux bouteilles. Mais non, mais les bouteilles... Mais quelle armée dispose les bouteilles comme ça? Oh, c'était rien. Ah, sérieux? D'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc qui la ferment jamais. Oh, ils s'entraînent sur un. Je sais pas si avec les austères on peut faire quelque chose, hein. C'est ça la guerre. Oh. Non, j'ai aucun matériel. Faut juste pas qu'elle bouge. D'accord. Ah, peut-être maintenant. On y va. Je te suis, hein, je veux bien te suivre, mais. Je t'ai fait golède la dernière fois. Les héros et leur armure qui brillent. Suffit de trouver la brèche et hop. Ok, très bien. Franchement, on se fait ninja. C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Ah ouais. Va faire un tour là-dehors et tu verras que la Guyenne appartient à des putains de rats. On les repousse avec des torches, tes rats. Je les ai vus jaillir du sol par centaines. Comme des okay, diables. Peut-être ça. La pique. Là, non. Mais à chaque fois, tu dis que mes idées elles sont nulles. Ferme-la. J'y étais. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. C'est bon, tais-toi. On y va. Ok, go. Fais attention, tu connais les ordres. Évidemment, on va là où la pancarte indique avec de la peinture un lieu spécifique. Ok. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie une rançon aussi élevée? Slip. Les enfants de Valois. Le fils et la fille du chevalier Tout Robert bon. De Rune. Le chevalier à l'arbre. Ok. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Et il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt... D'ailleurs, on dit pas à l'Hulk, on dit au Hulk. Allez donc questionner la sœur. Il doit être réveillé. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Je te suis. Ah, la machine. C'est hyper tendre avec ça. Voyons voir. Ça. Et ça. Pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment. Qu'est-ce qu'elle va récupérer? Elle va réussir à. Voilà ce que je fais. Et ce coffre alors? J'ai vu. Et franchement. La poudre, sans doute du matériel alchimique. Aucun intérêt. Moi, ça m'intéresse. Je peux l'ouvrir. Dis-moi. Oui. Mais oui, fais ça.
peut crocheter les éléments. Très bien, on peut utiliser les personnages secondaires comme éléments d'interaction pour récupérer du coup du matériel. S'il te plaît. Ok, c'est intéressant. On gère davantage le groupe. Allez, j'arrive. Que des compétences secondaires qui n'ont rien à voir avec notre profil. Ce qui est cool, hein, ce qui est assez cohérent. Hein. Ce qui est assez cohérent. Silence, Ellie, pas par là, ils sont trop nombreux. Ok. C'est immense, les maps, elles sont immenses. Oh. C'est marrant comment les... On va manquer de pain et de vin. Les niveaux ne se ressemblent pas. Okay. Très bien. À chaque victoire, c'est pareil. Il est où ? La moitié des réserves. Oh, mais t'es folle. Ben quoi ? C'est passé, non ? De justesse. Bah... On dirait la séquence dans Evil Dead 3. Ouh. Ah, aïe. C'est un poil oppressant. Hein. Est-ce que nous avons dû... Ok, pour aller par-dessus, en faisant la barre espace ici. On peut pas récupérer la hache. On a peut-être ici de la poudre. C'est mon frère, on dirait. Vite. Viens te chercher. D'ici peu, tu seras loin d'ici. Hé, Amicia, où elle est ? Ma sœur. On va la garder avec nous, pas vrai les gars ? Oh là ! Chut, non, salopard ! Non, s'il vous plaît ! Réjouis-toi d'être encore vivant ! C'est une chose rare ces temps-ci. Hey, la fille ! La fille ! Hein ? Quoi la fille ? Mais allez, parle ! La fille s'est échappée ! Sa cage est ouverte ! Tout le monde la cherche ! Merde ! Dispersez-vous ! Surveillez les portes ! Mais restez sur vos gardes ! Une cage s'ouvre pas comme ça ! Peut-être un coup des Valois ! Profitons-en ! Je veux bien qu'on en profite, mais... C'est moi qui te suis ou c'est toi qui me... Mais si j'y vais à reculons... Est-ce que c'est pas moi qui suis le fait que... Tu me suives ? Fouillez-moi cette tente ! Regarde ! Hugo, je suis là. Amicia, ça va ? Tu n'as rien ? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Il faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé ? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Le coffre, là-bas, très bien. Arrête de me suivre ! À ouais, toi, non. Mais... Enfin... Arrête de me suivre, mais fais ce coffre, quand même. Ok. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Mais bien sûr, d'abord le loot. Sérieux ? Tu... Oh ! Mais non ! Mais il va... Tu vas lui briser la nuque ! Hugo ! Accroche-toi à l'airbag. C'est pas vrai. Heureusement qu'ils sont occupés. Les tentes. Fouillez-moi ces tentes. Mais la serrure. Normal. Tout va bien. Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia, oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois. Je suis là. On reste ensemble, hein? Bien sûr. Et on va partir avec Mélie. Jusqu'à ce que la peste nous sépare. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Putain, hein, Mélie? Ouais, ouais, je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord. Il y a une sortie vers le fond du camp.
Si tu sais te servir de cette ronde, vaut mieux que tu passes devant. Ah bah voilà, maintenant faut me le dire maintenant. Ok, au fond. Aucune trace. Non. On est foutu, on est foutu. Quoi? On n'est pas foutu? Si, on est foutu. On est totalement foutu là. Mais je veux rentrer dans cette... On est totalement foutu. Mais ça passe! Ça va pas passer! Ça va pas passer! Ça va pas passer! Ça passe! Bougez-vous! Elle a pas pu sortir comme ça! Voilà. Les tentes! Bougez-moi cette tente! Elle doit être terrée dans un coin! Allez les gars, on s'y remet! Des années de... Enfin, des... De longues minutes d'entraînement sur Dead by Daylight. Est-ce qu'on pourrait pas, genre, prendre deux boucliers? Il y en a un qui a un bouclier vers l'avant et l'autre le bouclier vers l'arrière. Et comme ça, on se déplace. Et juste, ils voient des boucliers, ils disent « Ah, ce ne sont pas des gens qui s'échappent, ce sont des boucliers. » Impossible. Non mais... Je paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly, fuyez! Oh! Hey avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez! On n'a rien fait! Il veut lui... Oh! Oh ah! Très bien. Très bien. Dans la panique, j'ai utilisé du summum pour pas les tuer, pour les endormir définitivement, tu sais quoi. Fire in the hole! Ok, très bien, hop là. Comme ça. Du gars? Efficace et pas cher, quoi. Loot. 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 Vas-y. Alors arrête de courir. Techniquement, toi tu cours pas donc. On n'a pas beaucoup de temps. Par là. Okay. Vite. Ça par là. C'est fermé. Au secours. C'est bon. On y va. Ok, très bien. C'est quoi ce bordel? Marchez à gauche. Mais c'était quoi? Hein? Ça mérite un petit coup d'œil. Archer. Vas-y, viens. Ouh. L'attrape, là. Ça ressemble à notre sortie. L'attrape. L'attrape. Mais non. Verdure, allez vite!
La violence, on dirait. La violence de cette libération, elle est incroyable. En tout cas, c'est bien que le... Je trouve ça vraiment bien que la libération du gamin ne soit pas un truc infini et soit juste finalement une anecdote dans le gameplay. C'est vraiment une anecdote dans le cheminement lorsque, par exemple, on progresse pour découvrir un peu plus sur le lore. Parce qu'ils nous ont donné un peu plus d'éléments sur le scénario, sur le fait que, évidemment, tout le monde le veut, mais en plus de ça, l'Inquisition se rapproche dangereusement de nous. Mais en plus de ça, on a... une partie qui est plutôt pas mal. Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas! On n'est pas sortis d'affaire. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Un cavalier de l'Apocalypse. Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! On va traverser par là. Wow. Oh mon dieu. C'est très très joli. Hein. C'est très très joli. Hein. Regardez comment toute l'ambiance a été modifiée. Comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. C'est vraiment très très joli. On est au moulin à gagner. Viens vite. C'est fermé. Laisse-moi faire. Ok, elle va crocheter encore. Ouvert. Franchement, toute l'ambiance était modifiée. Elle est géante, cette roue. C'est pour écraser le blé. Nouveau slip. C'est marrant la tranquillité qui se dégage des lieux. On arrive dans un lieu avec une ambiance diamétralement opposée avec tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Alors certes, c'est en ruine, il y a des toiles d'araignées énormes. D'ailleurs, si le blé vient tout juste d'être emmagasiné, tu peux pas avoir les toiles d'araignées, comment? Mais toute l'ambiance dégage d'autre chose. Le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter? Amicia, on va trouver un moyen. Oui, on va faire ça. Le courant diminue, mais c'est pas suffisant. Et toi, Mélie, tu peux t'en charger? Tu peux peut-être y aller. Hein. Okay. Peut-être juste quelque chose en... Oh, ok. C'était ça. Là, ici, à modifier. Cette interaction. Oh! Voilà, on va forcer, on va bloquer le passage ici. Mais j'ai besoin de ton aide. Elle va passer de l'autre côté. Ça marche pas si on fait l'un après l'autre. On va essayer l'écluse et le frein. Mais en même temps, cette fois. Ok, très bien. Fais ça. Oui, tu peux le faire? D'accord. Je la commande littéralement. Allez, vas-y. Mélie, tu peux t'en charger? Voilà. Ouais. Allez, il n'y a plus qu'à traverser. Petit, il faudrait que tu y ailles maintenant. Si je lâche, est-ce que ça repart? Non.
Bah, très bien. Du coup, il faudrait que je referme ici pour qu'elle puisse passer. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je ferme le deuxième volet. Comme ça, il n'y a plus de courant. Comme ça, le moulin arrête de tourner. Attends, ouais. Bah, viens maintenant. Voilà. Je dois y aller. Et voilà. Tu vois, c'était pas dur. Ok. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. C'est pas la même chose dans les gardes. Hein ? Non ? Bon allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. Ok. L'aqueduc. Lucas est là-bas ? J'espère. Il va pas avoir fière allure votre château. Pourquoi ? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh Micia. Pire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, bien tu veux dire ? Que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais? C'est méga rassurant, tu sais quoi? Des gens habitaient ici? Oui. Mais ils sont partis. Bien ça. Ailleurs. Un peu comme nous? Oui. Un peu comme nous. Ok, slip, tout ça. Ouais, ça me plaît énormément. Oh. Le jeu me plaît énormément. Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause des épines. Mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras ? Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde ? Marché conclu. Ok. Il y a vraiment de l'attachement qui se produit. Or, bien sûr, sans ruban, mais pour le coup, Amicia, il y en a, quoi. Hugo, qu'est-ce que tu fais ? Viens. Oh. Qu'est-ce qu'il a ? Hugo ? Hugo, regarde-moi. Ça recommence ? Les grenouilles. C'est ta tête, c'est ça ? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Ok. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang, toi, t'as rien ? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. C'est vraiment triste, c'est vraiment hyper triste. Oh, la musique est vraiment magnifique. Amicia. C'est vraiment magnifique. J'ai peur. De quoi, Hugo ? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. C'est très très confort. Enfin. Faites qu'elle le porte sur ses épaules. Aide-moi à soulever ça. Je suis en train de déjà soulever J'arrive. Mon poids, là. Hugo, descends, s'il te plaît. Last of Us ? J'ai jamais fait Last of Us. Ah ! C'est ça, ta maison ? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça ? Noble ? Amicia ! Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Après, Lucas a fait ce qu'il fallait pour...
pour nous sortir de là. Hein. Alors, tu vois quelque chose? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars! Par ici, venez m'aider! Où ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors où? Fais-moi confiance. Et ton frère? Il aurait déjà dû être là. Désolé. L'enterre pas trop vite. Personne ne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. Pardon ? Hé, hey, Melly ! Je suis à ta gauche ! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Melly ! Ouais ! Melly ! Mais... Melly ! Bon, on va préparer une bombe d'acide. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent dormir définitivement avec une bombe d'acide? Vas-y, vise le casque. C'est pas mortel. C'est juste une... c'est juste de l'acide. Hmm? Double sanction. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi? Oh. Monsieur, vous dormez pour de bon? Oh, 80. C'est super beau. Mais c'est marrant, vraiment marrant, parce que toute l'ambiance est différente. Tu sais quoi faire? Oui. Tu sais où sont les pierres aiguisées? Dans une des caisses. Mais c'est un bordel sans nom là-dedans. Ok, il y en a un, monsieur qui a le casque, c'est celui-là, hein. J'ai l'impression, hein. Ouais, ok. Citation de Marine Le Pen, hein, mais c'est pas grave. Le château d'ombrage. Par là, suivez-moi. Ok. Très bien. Après, ça reste vrai. Donc. Ouais, non, mais c'est toi, Melly. Ok, très bien. Ok, c'est le poteau. C'est un coin sanglier, ravi de la. Vous voyez la R s'éclairer là-bas? Nicolas, c'est par là qu'on sort. Bon, okay. Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Jeannette, Hugo, tu surveilles la zone. Tu es les autres. Et pas un bruit. D'accord, entendu. Il me cherche encore. Ok. Faut que je les élimine les uns après les autres. Sans deck? Faut qu'on fasse du Metal Gear? Restez ici, entendu. Te fais pas repérer. Ok. Zone de nettoyage. Ok. Mais il s'est baissé!
Pourquoi il s'est baissé? Pourquoi tu t'es baissé? Regardez, lui aussi. Lui aussi, il a pris du somnon. Regardez, il dort comme l'autre. C'est sûr. Regardez. Hein? On est d'accord ou pas? Il dort, hein? On va lui mettre un petit ton chaud, histoire de... C'est pour comparer qui dort le mieux. Parfait. Mais 100% il dort. 100%, c'est sûr. Ok, faut qu'on passe par là. Je sais pas, en m'éloignant, s'il va... Oh non! Amicia, j'ai peur! Chut, tout va bien. C'était horrible. Horrible. Amicia! J'ai peur! Moins fort, Hugo! D'accord! Est-ce que ça va? Oui! Et pendant ce temps-là, Mélie... Taisez-vous! Utilise l'acide! Bien, c'est bon. Après toi. Oh mais comment il s'est TP dans la main là? Quel signal? Tu le sauras quand tu le verras. Chut, c'est pas moi. Est-ce qu'il a un slip sur lui? Non, rien. Plutôt bien nettoyer la zone, hein. On est plutôt ok. Restez là. Pas un bruit. Plutôt toi que moi. Chut! Non, toi, chut! Fais un test. Est-ce qu'on a cette caillou? Cette caillou, ça va, on est large. Y a pas de casque, hein. C'est bruit. Ça venait de là-bas, je crois. Faut qu'il se retourne. Que si lui il tombe, pendant que l'autre il le regarde, ah c'est tu foutu, hein. Y a rien. Mais bien sûr qu'il y a rien, mais évidemment qu'il y a rien. Faut que je me calme. Mais calme-toi. Calme-toi mieux. Ils sont en train de discuter. Ils sont deux, hein. Il a de la chance. S'il avait pas ah, ils vont mater là si je viens par là, on est d'accord. Je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Qu'est-ce que... Attendez ici, et pas un bruit, je bouge pas. Ils sont plusieurs là, hein. Impossible qu'il me voie. Ils sont deux. J'ai entendu ça. J'y vais. Prends garde à toi. Allez-y. Hugo ! On y va. J'ai un vase !
Oh. Rien par ici. Bien, reviens à ton poste. Solution pacifiste. Hein. Ça vous impressionne ou pas? Je crois qu'il y a du loot là-bas. Hein. Oh, ça me fait trop envie. Restez ici, j'attends ton signal. C'est quelqu'un là. Ils sont trop proches. Utiliser une solution pacifiste, ah, de l'acide positif. Hmm. La lance, elle a tenu debout. Genre, tellement le coup parfait, tellement le coup il est parfait, que que le portant, il est encore debout. C'est-à-dire que la vitesse, la vélocité et la précision du caillou a éteint la flamme, mais c'est tellement parfait que la lance, elle tient encore debout. C'est parfait. Amicia, reviens. Eh ben arrive. Où? Tout va bien. La voie est libre. À tes ordres. J'ai apporté l'équipe. Te cogne pas. Mais petit con, t'as tout gâché. T'as tout gâché. Je sais même pas pour. J'attends ton signal. Je sais même pas pourquoi je viens t'aider. Je suis content d'un truc. Un truc je fais. Je fais bien un truc. On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Un truc. Sans deck. Juste j'avais fait mais de l'art éphémère. Ça me dégoûte. Merci Mister d'ailleurs. Merci beaucoup hein, pour ton prime. Hein. Alors là, une porte. Hein. Hitman, Wasma, ah Hitman. Vous savez que j'ai quasiment fait aucun Hitman. Hein. Ça me chauffe bien. Là, ne restons pas là. Oui, bah du coup, go en fait. Allez. Discrètement. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Okay, très bien. Avance. Voilà. Que vous non, c'est. Ah, ok, c'est Lucas. Slip. Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive. Cro, oh, j'ai trigger là. J'ai l'impression qu'il va lui arriver un truc. Amicia, le dévorantis. Il t'en reste? Oui. Alors vas-y, fais sauter son casque. Oculus réparo, la tête des vidines. Oui. Waouh. Lucas, je suis tellement content de vous revoir. Pendant ce temps-là. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Eh, hey, je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Eh, hey, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche.
En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Ça va. Oh, t'avais juste oublié de nous parler de la. Elle est pieds nus, Mélie? Non, mais sans d'aide. Vous n'avez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Regarde comment c'est beau, en fait. On rigole de l'IA parce que, bon, c'est comme ça, hein. C'est partie du charme des jeux, hein, des jeux d'infiltration. Et moi, ça m'a toujours fait marrer. Et ça me donne vraiment envie d'en faire d'autres, des jeux d'infiltration. J'avais oublié la sensation que c'était. Parce que j'avais adoré Deus Ex. Un accident ? Le premier. Human Revolution. J'avais vraiment, vraiment aimé. C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à surigné, prendre. Je l'avais surigné aussi dans le cadre je vois pas comment on va pouvoir de passer. L'élaboration du magazine. Oh, Amicia, Carmel. J'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère. Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Ça sent le sale. C'est que des enfants qui m'ont appris les pires moves. Hein? Merci. Est-ce qu'ils vont se mettre à danser? Lance-le sur les rats. Ah, tous les yeux qui pointent. Regardez, quand on s'approche. T'as vu les mouvements? Non, 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 non. Ah. Wow, Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Mais c'est ce que fait la modération. Quand il y a quelqu'un qui parle mal dans le chat. Fallait me dire ça dès le début. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Luminosa? L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et pouf, Chocapic! En tout cas, ces chariots nous seront utiles. Ok. C'est bourré de matos dans tous les sens. Ah, lui, il n'y a pas de mine à ça. Voilà. Comme ça, on récupère la poudre. Regardez comment c'est beau, quoi. C'est beau. Mais ouais, entre la Hitman et... On arrive. Enfin. Et Deus Ex. On va enfin savoir. Même si Hitman, quand même, c'est vraiment plus développé pour être du... Monte, je vais de l'infiltration. D'accord. Deus Ex te propose différentes approches, mais tu peux finir souvent en on FPS. On va monter sur l'aqueduc. En TPS. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. Et là... Ok. Très bien. Wow! À l'œil. Monte. Oui. Non, vraiment, sacrée ambiance. Il y a vraiment... Je trouve un renouvellement au niveau des maps et au niveau des... Quoi? Des rencontres. C'est tout? Il n'y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose Mais comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Très bien. On a... Ok, un terrain plutôt... troglodyte. Oh, le décor. C'est superbe. C'est superbe. Oh là là! Regardez le calme. Oh. Comment c'est dégagé. Ça eh me rappelle... Est-ce que c'est la mer? Prince of Persia. Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. J'avais jamais entendu parler de cet endroit. Et le château? C'est incroyable. Il est où? Comment tu ça, changes de pour niveau? Pour le savoir... Il va déjà falloir traverser. Ah,
Bravo. Mais les Tolkieneko. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Ok, go à la manivelle. Mélie, tu peux le faire? Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller! Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, Père m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau. Et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais? Oui, vas-y, monte. Okay. J'espère qu'ils savent nager. C'est votre moment. Accrochez-vous. C'est parti. Wow. Ok, on va leur envoyer la barque. Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Ne pas rebondir. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour! On arrive! Ah, c'est vraiment super bon. C'est vraiment superbe. J'aime pas trop l'eau. Je suis désolée de t'avoir menti. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Vous parlez de quoi? De trucs de grand. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Très bien. J'ai peur de ce qu'on va découvrir de l'autre côté. Oh, c'est fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. Ouf. J'ai déjà vu ça dans Expendables. Hein. C'est ouvert. Non, j'ai pas vu ça dans Expendables. Je croyais vraiment que... Hein? Non. Est-ce que je ferais ça sur... Les ravants. Oh, et voilà, ça recommence. Eh bien sûr. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, pas possible. Je dois voir ça de plus près. Cette... C'est quoi? Cette fosse. Quoi, Lucas? Les balances! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rat qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? Explique d'abord. Les brasiers rouges. Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas! Celui-là, dans l'autre sens. Du calme. Je trouve ça très malin, le système de coop et de craft, et en même temps de gestion de... Mélie, tu peux l'ouvrir? Non. D'énigmes. Peut-être de l'autre côté. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça pour progresser et aller sur, la, sur l'ouverture? On va faire ça. On va utiliser cette mécanique là, voilà, pour déplacer avec les rats qui vont passer entre et on va les entraîner vers la fosse. Ils vont tous tomber. Oh. Et là, on peut utiliser un allez, truc pour faire. À la fosse. Je dois passer de l'autre côté. Pour bon, faire allez, boom. Venez.
va aller en face. Musique extrêmement inquiétante. J'ai envie de lancer un... Oh non, je sais ce qu'on va faire. On va éclairer l'autre. On va faire venir tous les rats. On va les réunir tous ici. Et on va lancer une grenade pour tous les exploser. Monte, je vais t'aider. Ça a changé depuis Cinnaboule de chez McDo. Ok. On a de la poudre ici. On peut peut-être construire un truc pour récupérer un peu de poudre. Cette tisse de poudre. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'on va pas... Qu'est-ce que tu fais dans le coin ? La musique est très très entraînante. Ça donne vraiment envie de faire un JDR dans cet univers-là. Hein. Coup de pied ? Non, à l'ancienne. Bien, je m'occupe de la porte. Et on n'a pas eu besoin de détruire tous les rats. Peut-être qu'on va avoir besoin de tous les détruire. Est-ce qu'on pourrait pas, genre, juste éclairer? À moins que ce soit Lucas, hein, ça m'économiserait. Hein. Lucas! 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 Oh, très bien. Bon. Pourquoi tu attends en face de l'échelle? Le pire. Et c'est ce qui va se passer. Ne bouge pas. Je reviens. À ton signal. Regardez. On va traverser le pont par le faisceau et purifié. Citation Smart de Warhammer 40 000. Et on va tous les amener. Est-ce qu'on a envie de les faire exploser? J'ai pas spécialement envie, hein. Ils vont tous finir par s'entre-dévorer. Regardez. On peut lancer un truc. C'est efficace, leur système. Allons-y. Ils ont... J'ai pas envie de les exploser. Hein. Même si c'est la pire engeance. Hein. Suis-moi. J'ai pas envie. Regardez. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. La demande? Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Après, le matos est précieux, absolument. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Oh! Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Super. J'ai douté à un moment, mais ça, ça c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Regardez comment c'est magnifique. C'est incroyable. Oh, oh. Je vois pas comment. Wow. Ça, l'éclair. Ils ont peur des éclairs. Oh, ok. Vous rigolez. Allez, vous revenir. Et dès qu'il y a... Oh non, trop bien vu. Super bien vu en termes de méca. Mélie, tu peux t'en charger? Ça marche. Très très bien vu, hein. Très malin. C'est bon. Pendant ce temps-là, le violoniste. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui... Ok. C'est vrai, oui. Pendant ce temps-là, le violoniste, il se fait plaisir. Hein. Il se fait vraiment plaisir. Hein.
On n'a qu'à dire qu'on a le temps. C'est de la folie. Jamais. Vous avez vu où on était là? Oh. Des gens vivaient ici. 3. Non. Non. Allez, on va y arriver. Merde. Je vais t'aider. Oui. Allez, go, 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 go. Ouais, go. Tout le monde va bien. On a réussi. On n'a qu'à dire oui, hein. On l'a vraiment fait. On a réussi. On y est. Regardez-le. Château d'ombrage. Wow. Il est encore plus gros d'ici. Entrons vite. Lucas. Venez. Non mais le violoniste, il s'est fait plaisir. Hein. Okay. Regardez comment c'est beau, regardez comment c'est incroyable, l'ambiance. Wow. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui vous ont marqué niveau... Oh, il y avait quelque chose de vivant là. C'est ouvert. Niveau musique, niveau ambiance sonore. Parce que ça m'intéresse vraiment en termes de... Le sound design, vous l'avez peut-être remarqué, mais m'intéresse depuis... un certain nombre de d'années. Et je... Ils sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Hellblade, inside. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. On a dit caillou, c'est ok. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. Pas non plus extrêmement velu, hein. Attention. Hein. Prête, Mélie. Du moment qu'on les dégage. Puisque devoir faire Witcher 3 ou Mass Effect du château d'ombrage. Deux filles contre des Hellblade. Ah, Hellblade. L'histoire se souviendra de cette bataille. Et dans ces ambiances là. On dirait un immense labyrinthe. Est-ce que en descendant là, on est gris? Est-ce que en descendant... L'île du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier. On récupérait pas une branche pour allumer ici. J'ai compris. Et les pousser dans le fond. Même si je suis pas leur mère, est-ce que je pourrais pas... Waouh. Allez allumer là-bas, très bien. Obscur. Ok. Faire ça. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Allez, go. Non. Ok, très bien. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Okay, on a vraiment une méca qui est très très poussée. On a un pont que je peux pas pousser ici tout seul. Allez, Mélie. Regardez ça. Oh. Quelle horreur, on va tous les jeter. Alan Wake. Oh. Bon, il n'y a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Terrible. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Tu m'étonnes, mon gars. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Le rat, mais c'est notre château. Mais des nobles à la cour du roi. C'est pas gentil. Bon. Ceux-là aussi doivent finir dans la fosse. Oh. Bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. Ça y est, j'ai appris.
En fait, c'est elle qui va m'orienter. C'est ma vie que je mets entre tes mains là, hein. Ouais. Non. Routine, quoi. Fini. Dis-moi quand t'es prête. Je suis prêt. Quand tu veux. Tu peux le faire? Ouais. Ça manque d'entretien. Sandek. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va. C'est juste que je me chauffe. Okay. Arrête, alors, bah, ne bouge je pas. Je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben, vas-y. Il me faut un petit branchage. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Voilà. Bon, ça, c'est OK. Ça ouvre la voie. Là. Ça ouvre la voie. Ici. Là-bas, c'est pas possible. Est-ce que je peux monter par là? Non. Ah bah, si. Pourquoi il n'a pas réagi positivement à mon mouvement au départ? Bon, ça arrive. Ok. Le... Mélie, je vis de l'enceinte extérieure. Tactel, mais aucun regret sur le fait de poursuivre dans la lancée. Je trouve que c'est vraiment meilleur. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Et ben, wow. De toute façon, je suis déjà trempée. C'est... Il y a un truc... Il y a vraiment un truc glauquissime là-dedans qui opère. Ça reste des enfants qui accomplissent de grandes choses, mais... Et hop, à la fosse, les cancres là. Oui, parfait. Ça, c'est fait. Il y en a le dernier secteur de maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Oh là là. On va descendre. Bon, et bah c'est reparti. Vous vous en sortez? Okay. Oui. Comment ça va, Hugo? Ça va. Mais on vous entend crier. L'espérance pactelle est incroyable. Vraiment. Niveau narratif, niveau... Il y a tellement de choses incroyables. Là, faut bloquer le passage. Ici. Ça raconte beaucoup de choses. Il y a plusieurs niveaux de lecture en plus. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a... Là, c'est tout condamné. Il y a un rat, tout seul, qui est en train de bouffer mon poteau. C'est un peu mieux. Ouais, un peu... Ça me fait penser à l'ambiance musicale, de Sinister. Quand tu veux. Ok. Je vais t'aider à grimper. Ouais. Le film, Sinister. Que j'ai déjà utilisé dans un JDR. Le pont. On ferait mieux de le baisser. The Slashers. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la Discrète conquirent le château d'Ombrage. Oh là. Okay. T'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez. Faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Ok, fallait te noter. Ça c'est là. Poudre et cristaux. On va fabriquer poudre et cristaux. Poudre. Cristaux. On laisse pas le loot. Là, il va peut-être pousser la chose. Faut que je descende. Là, ça ne fait aucun mouvement, là, si je bouge. Ouais, c'est ça. Aucun intérêt, celui-là. Il faut que j'active en bas à gauche, c'est ça. Est-ce que de là, je peux l'atteindre? Ouais. Parfait. Il faut que j'aille en bas, et bien quand même pousser. Il faut que j'y retourne. Et je vais suivre le chemin qu'elle va tracer. C'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Pardon? Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. On aura déjà éclairé la zone. Notre château. Imagine, on
pourrait vivre ici, tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Okay. Ces saletés de rats sont partout. Ça, c'est sûr. Ici à l'Amazon. Très drôle. On n'a pas besoin... Si, là-haut, peut-être. On n'a pas vraiment besoin. L'échelle est là-bas. Il faut que je m'empresse d'éclairer ça. Et que je traverse la zone avec les rats. En espérant allumer là-haut. Il y a une montée en puissance dans l'ambiance sonore qui est assez folle. C'est-à-dire que je ressens vraiment le côté apocalyptique. Et pourtant, on n'est pas dans du Gundam, on n'est pas dans le truc... exagéré à l'infini. Hein. Même s'il y a des choses surréalistes, attention. Ça y est, la vermine arrive de mon côté. Je vais avoir besoin de toi. J'arrive. Horrible. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. Ah non, faut remonter. On a fait ce qu'il fallait dans l'ordre qu'il fallait. C'est vraiment un labyrinthe de rats. C'est... À partir de maintenant, on va les pousser. Et c'est sur ces nobles paroles qu'elles s'apprêtèrent à récupérer ce qui leur revenait de droit. Un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cape pour toi ici, Alicia. Ce qui m'interpelle, c'est le fait d'avoir déjà une D'accord. structure qui protège contre les rats. Il s'est passé un truc déjà à cette échelle-là. Pour qu'ils réfléchissent tous. Dans ce sens-là. Maintenant ! Lâchez les dragons ! Allez, reculez, saloperie ! Reculez devant Amicia l'Amazone et Mélie la Furie ! Quoi ? Mélie la Furie ? Je t'avais dit que tu me connaissais pas. Le château nous a sauvés. Incroyable. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour. C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. Les vénules noires ont... progressé.